Hello tout le monde, c'est Elnora 22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Pentiment, un jeu développé par Obsidian Entertainment et édité par Xbox Game Studios. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe. Allez, let's go! Alors, puisque nous allons commencer l'acte 2, il faut de nouveau rechoisir un parcours qui va influencer par la suite notre game. Donc, voilà, on va. Là, on est resté en bon terme avec l'abbé, c'est pour ça qu'on. On est dans les murs de cette abbaye. Donc, comme je l'ai dit, il va falloir qu'on choisisse à nouveau des caractéristiques propres à Andreas. Alors, avec la Pologne, donc évidemment, on connaît le polonais, le tchèque et le hongrois. Là, ce sera l'anglais. La France. Et Aragon, qui est un peu l'espagnol et l'arabe. Dans notre quête... On va essayer l'anglais.
Alors, comme vous pouvez le voir ici, étant donné qu'on a terminé en très bons termes avec l'abbaye dans les vidéos précédentes, eh bien, du coup, nous logeons au sein de l'abbaye. Il s'entend que si on s'était énervé contre l'abbaye, à ce moment-là, nous aurions été logés à un autre endroit et aurions pu avoir un succès en lien avec ce nouveau logement. Mais bon, là, malheureusement, c'est pas le cas, donc on va pas pouvoir faire ce succès-là. Mais qu'importe, encore une fois, puisque nous aurons l'occasion de faire plein d'autres sessions de gaming pour pouvoir rattraper nos succès. Alors, là, donc, on loge au sein de l'abbaye. On ne va pas pouvoir se plaindre de la qualité de notre logement, malheureusement. Qu'importe. Nous allons, du coup, descendre. Et... Donc là, vous voyez que les choses ont bien changé. Il y a même des nouvelles fleurs. On a Schlau qui s'est déplacé même. Vous avez tout fait comme moi, et bien vous avez obtenu votre succès avec le fait d'avoir caressé 5 animaux, donc le succès de Saint-François. Bravo, félicitations. Je suis mariée que depuis 7 ans.
Donc là, encore une autre fleur. Ici, encore une autre. Donc ici, c'est l'auberge de la main dorée, là où normalement, si vous aviez été en mauvais terme avec l'abbé, eh bien, vous auriez logé ici. Donc on va juste rentrer. On va se présenter aux gens. Et puis, à lui, on aurait pu se plaindre de la qualité de la chambre. Bon, malheureusement, on ne va pas pouvoir le faire à l'heure actuelle. Soyons modestes. Voilà. Ça en fait la connaissance de nouveaux personnages. Et la fameuse Anna. Et voilà. Ah, j'essaie de sortir. On va lui lancer juste un regard menaçant pour dire qu'on n'est pas content. Alors, donc là, on va revoir nos quêtes, notre fameux livre tout neuf maintenant. Donc demain matin, il va falloir se rendre à la bibliothèque, parler à Mère Illuminata cette fois-ci, et non plus Sœur Illuminata. Et là, nous allons rendre visite à Klaus. Et Klaus qui n'est pas là.
Klaus qui est là. Ah, fois de réunion, effectivement. On va juste faire un petit tour vers le centre-ville. On voit aussi que ça a bien changé. Si vous l'aviez pas cliqué lors de la première, lors du premier chapitre plutôt, vous avez cette fleur là, à ne pas oublier. Alors.
Alors, pour obtenir ce succès, enfin plutôt cette conversation réussie-là, c'est bien simple. Dans les parties précédentes, il fallait vraiment, en présence de Otto, un peu cracher sur l'église. Vous vous souvenez, lorsque vous avez pris votre petit pique-nique avec Otto le premier jour, il fallait être d'accord avec lui pour dire qu'effectivement, l'abbé était quand même bien sévère. Donc voilà, à chaque fois que vous étiez en présence d'Otto, vraiment, allez dans son sens-là. Et ainsi, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez convaincre Otto de parler de son bon signe de Dieu, ce qui va améliorer l'un des succès en lien avec l'art de la persuasion. D'ailleurs, en parlant de l'art de la persuasion, si vous avez fait tout comme moi, tout juste, vous devriez également obtenir votre succès avec les 5 dialogues réussis concernant l'art de la persuasion. Donc si vous l'avez obtenu, bravo. Si ce n'est pas le cas, vous n'en faites pas, hein, le jeu est long, vous l'obtiendrez par la suite. Il faut savoir juste que ces 5 dialogues réussis doivent se jouer en une session de gaming. Voilà, c'est pas cumulatif, c'est vraiment 5 dialogues réussis en une session. Avant d'aller chez les Gartner pour aller souper, on va rendre visite un peu aux autres gens et voir ce qui se passe. Par exemple, on va essayer de parler à notre ami Andris. Vous vous souvenez également lors du premier acte où je vous avais dit qu'il était important de parler à Andris et de le féliciter, enfin plutôt de le convaincre comme quoi sa dulcinée se trouvait forcément quelque part et puis que voilà, il fallait vraiment voilà, l'encourager à aller sur cette voie-là. Vous voyez là, ça ressort et puis on aura un succès un petit peu plus tard qui va également peuper. Concernant l'amour de sa vie à Andris. Alors choisissez bien ce que j'ai choisi, parce qu'il va falloir ensuite convaincre Andris d'aller à Innsbruck chercher cette jolie fille sur le marché.
Alors, si on dit qu'il est plus vieux, on le traite quand même de vieux. Mais on va lui dire d'y aller. Et là, vous avez obtenu votre succès entremetteur, puisque vous avez convaincu Andris d'aller rejoindre sa bien-aimée Innsbruck. Donc voilà, quand je vous disais parfois que c'était important d'interagir avec certains personnages en amont pour pouvoir ensuite avoir des actions en aval avec eux, c'est pas pour rien. Donc voilà, si vous avez bien fait de discuter avec Andris la veille, enfin plutôt le lendemain de votre réveil, je crois que c'est le deuxième jour, il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons, concernant l'amour de Otto et Eva, et puis que vous l'avez gentiment encouragé à croire en ses rêves. Enfin voilà. Ici, vous devez pleinement le convaincre. Choisissez la même chose que moi et vous obtiendrez le succès. Alors, donc si on descend par là, on va à la ferme des Gartner. Donc c'est peut-être pas le but. Nous allons faire un petit tour en ville, discuter un petit peu avec les gens. Par exemple, les Albans. Dont Anna, qui a bien grandi. Alors, on va juste monter, voir s'il y a quelqu'un, mais je crois pas qu'on puisse aller visiter le médecin. Ah si, on peut aller visiter le médecin. On va voir le médecin. Notre cher ami. Qui n'a rien de particulier à nous dire. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Et ici, il me semble que c'est ouvert. Alors, on va faire un petit coucou aussi. À Balthazar, qu'on connaît pas du tout. Voilà. Alors, on va voir si... Alors, on a notre chère veuve Ottilia. Et Agnès. Donc je crois qu'elle m'en veut encore.
Bon, elle m'en veut encore. Alors que nous, on avait accusé la veuve. Hein. C'est pas grave. Alors, on va juste aller au moulin. On va rendre visite au Muller. Là, vous avez Staub aussi, si jamais vous n'avez pas votre cinquième animal. Vous avez Staub à caresser. Le fameux Paul qu'on a conseillé de continuer de dessiner est ici, qui est bien grand d'ailleurs. Voilà, donc on essaie juste de prévenir un petit peu les gens qu'on est par là. Alors là, on va discuter un peu sur le fait que... Ben ouais, Martin, il a quand même vachement changé, hein. Ah. On va discuter surtout avec Martin.
là, on le félicite, hein. Vous avez bien fait, Martin, de revenir. Voilà, donc on a discuté avec Martin. On va discuter avec Brigitta. On va discuter avec Eddie. Le petit Hans. Avec Johan. On va juste se rendre aux terrains communaux et on va discuter avec Otto. Si mes souvenirs sont bons, ils sont chez les Zimmermann, voilà. Et on va discuter avec Otto. Et en fait, pour pouvoir discuter avec Otto, il faut au préalable avoir réussi le dialogue de persuasion pour pouvoir avoir cet extrait-là. Voilà, donc le fameux signe de Dieu. C'est ici qu'il va vous révéler ce fameux signe de Dieu. Voilà. Donc là, on va pouvoir maintenant aller chez les Gärtner. Donc on a fait tout le tour de Tassing. Donc n'oubliez pas, hein, si vous ne l'avez pas fait, parlez à Endriss. Essayez d'en savoir un petit peu plus sur la belle femme qu'il a rencontrée à Innsbruck. Et de fil en aiguille, convainquez-le de se rendre à Innsbruck pour trouver l'amour, la femme de sa vie, et obtenir le succès entremetteur. Donc, on va parler à Ursula.
Ursula, qui, dans l'acte numéro 1, on lui avait raconté l'histoire des oranges. On avait été un peu classe. On va choisir ça. Ouais. Alors, choisissez. As-tu vu un as-tu déjà vu un chien sans tête? Alors, en fait, probablement qu'on parle de rites anciens. Bon, bah tant pis. On a complètement rejeté les anciennes méthodes. De toute façon, pour obtenir en fait ce succès-là, enfin ce dialogue-là, c'est un peu compliqué parce que il faut qu'on ait la notion de théologie, chose qu'on n'a pas. Là, du coup, on a raconté l'histoire du chien de hier. Bon, ça l'a pas convaincu. La fille parmi les oranges. Bon, apparemment, c'était pas le point positif. En gros, on lui a demandé d'oublier l'histoire, en fait. Mais si vous voulez vraiment la convaincre d'accepter ses anciennes méthodes, et ben, dans l'acte 1, il fallait avoir une histoire originale. Ça, on l'a fait, hein, la petite fille parmi les oranges. On a évoqué un fait atypique, mais pour ça, il fallait aussi qu'on ait choisi la compétence occultiste, entre guillemets. Donc, ça non plus, on l'a pas. Donc, en fait, en gros, on n'a aucun des éléments nous permettant de toute manière de lui faire accepter d'apprendre les anciennes méthodes. Bon, de toute façon, pour celui-là, c'est un peu loupé. Échec. Tant pis. On aura essayé. On va parler avec Peter, le volant, qui est toujours vivant d'ailleurs, et qui doit être incroyablement vieux.
parler avec Clara. Alors là, on va sélectionner un petit bout de fromage. Effectivement, c'est moins copieux que dans le premier acte. Alors, ici, ça va être très important, quand vous mangez avec les Gärtner, de ne pas paraître pour ce bourgeois hautain que vous auriez pu être. D'accord? Alors, pour ça, parlez des livres. On va pas parler des mécènes étrangers, hein, parce que c'est montré qu'on est bourgeois. On va pas parler encore une fois des mécènes ici. Voilà. Thank you.
Ce ne fut pas le repas le plus calme, hein.
Y aura-t-il un autre meurtre? Ça, c'est la question qu'on se pose. Deuxième vision. Alors là, eh bien, c'est soit effectivement, vous allez loger ici, hein, à l'auberge de la Main Dorée, si vous ne logez pas à l'abbaye. Je me souviens plus si j'ai fait cette petite fleur. Ah oui. Alors, on va aller se coucher. Alors, effectivement, donc là, vous avez une note qu'il va falloir ramasser. Et là, vous vous rendez compte que ça recommence. Donc là, vous faites le point avec votre apprenti. Avant d'aller à la bibliothèque, eh bien, on va de nouveau faire un petit tour, discuter avec les gens. Là, discuter avec le père Mathieu. Le frère Mathieu. Voilà, on va essayer de se montrer quand même gentil. Donc le sanctuaire est fermé. Voyons le jardin du couvent. Il y a toujours de la camomille. Donc, les fleurs... Il me semble que ce sont toujours les mêmes. Donc là, vous avez Mousefanger, si jamais vous n'avez pas votre cinquième animal. On va parler à Margaret. Alors, passons par le cloître.
là, on a notre cher ami Guy. Voyons si dans le grand jardin, on a d'autres fleurs, mais je ne pense pas. Là, vous avez un autre animal si besoin est. On va juste se rendre à la cuisine et à la cave. On va discuter avec le frère au nom imprononçable. Alors, on va juste aller au niveau de la cave. Et donc, vous avez affaire à un petit chat errant. On va nourrir le chat avec une petite saucisse. Et c'est un gros chat maintenant. Vous avez vu comme il est bien remplumé? Voilà, donc on va pouvoir remonter. On va regarder Pierrot. Bon, pas obligatoire. Encore une autre tombe ici. Là, vous avez Edoc, notre cher ami. Thank you.
Nous allons nous rendre au scriptorium. Et là, on va retrouver une amie à nous, Sdena. Ou Sdena, ou comme vous voulez. Vous vous souvenez à la bibliothèque lorsque vous aviez embrassé Sdena, nous on a fait en sorte de couper la partie avant pour rester en bon terme avec Sœur Illuminata. Bon, il s'avère que si on n'avait pas coupé, il se serait donc passé quelque chose de cette nuit avec cette chère sœur. Donc je ne vais pas vous donner les détails, mais voilà, en gros, on est ressorti quelque chose de cette nuit-là qui malheureusement voilà, n'a pas été mené à terme parce que nous sommes quand même dans une abbaye et que c'est une religieuse. Donc voilà. Nous, en l'occurrence, comme on a interrompu notre partie, ben voilà, elle est, on va dire, toujours chaste. on va pouvoir rentrer dans la bibliothèque. On va pouvoir passer par là. Et on va retrouver notre chère sœur Illuminata. Alors, on va regarder ça. Montons, voyons ce qu'on trouve. Thank you.
Voilà. Donc là, nous avons fait le tour des livres. On va aller reparler à Sœur Illuminata, si on parvient à descendre. C'est pas évident, hein, au niveau d'érection des personnages. Alors, avant d'aller souper avec les Drucker, je vais juste faire un petit coucou à la maison du prieur, voir si on... Non, ils sont tous partis manger, ok. Donc... Donc, avant d'aller manger chez les Drucker, on va aller voir le frère Haydock pour parler du livre. Et pour ça, on va se rendre à l'autre. Au réfectoire. Bon, on aura essayé. Alors. On va aller de nouveau manger chez notre ami Klaus.
juste un petit tour. Voir s'il y a d'autres fleurs dans le coin, ce qui n'est pas le cas. Alors. Là, on a de nouveau du thym. Mais le thym ne compte pas parmi les 10 fleurs. Malheureusement. On a plein de fleurs, mais on peut pas les... Alors, bref. Donc, nous allons manger chez les Klaus. Enfin, chez les Drucker. Plutôt. Voilà.
Alors du coup, si on regarde au niveau de nos quêtes, donc rendre hommage, ça a été fait. Et on va s'attaquer à la veille de la Saint-Jean. Et pour ça, on va se rendre en ville pour voir les préparatifs. Donc pour ça, on va se rendre aux terrains communaux. Alors, sachez que si vous aviez bien joué le jeu avec Peter le Dolent, vous auriez pu être invité par sa famille si on avait montré notre côté bourgeois un chouïa moins que ça. Bon, pour le coup, on ne l'a pas fait, mais qu'importe, nous sommes quand même présents à la fête de la Saint-Jean, juste qu'on n'a pas été invité par Peter et sa famille, mais c'est pas grave.
Alors, avant d'aller voir l'abbé pour le souper, on va discuter un peu avec tout le monde. Voilà. On va regarder ce joli feu de joie. Qu'on n'avait pas encore croisé. Alors, on va se rendre juste avant. On va aller juste rendre visite aussi à notre ami Fuméron. Voilà, une fois qu'on a parlé à Fuméron, on va pouvoir aller manger du coup avec l'abbé. Alors, on va aller par le grand jardin. Et donc, voici notre ami l'abbé.
On mange par... On commence par le dessert, c'est pas grave. Là, bah, c'est un peu à votre bon vouloir. C'est soit vous êtes gentil avec lui, soit passablement neutre, soit vous l'envoyez au diable, hein, lui et son plan. Moi, je vais choisir ça. Alors, on va retourner sur les terrains communaux. On continue à aller faire la fête. Juste voir un petit instant si elle... Bon, c'est fermé. Alors. Parler avec Otilia. Alors là, on va dire qu'il est réussi, hein, ce feu de bois.
Voilà, et puis on va continuer à parler aux autres. On va parler à Peter le Dolan.
Alors, on va continuer à parler aux gens. On va parler aux médecins. Voilà, Gaspard. Et donc nous, sur ce, on va aller nous coucher. Et donc, on va retourner à l'abbaye pour cela.
Donc là, on va aller retrouver Caspar. Pour ça, on va se rendre de nouveau sur les terrains communaux. En pyjama. Et là, vous allez parler avec Otto. Une fois fait, vous allez devoir vous rendre à la forêt. Et vous allez vous rendre au sanctuaire de Sainte Satya. Et là, vous avez Caspar. Là, retournez en ville. Et là, vous assistez au deuxième meurtre. Là, il va falloir courir, hein. Donc appuyez bien sur votre joystick.
cours vite, ma parole. Voilà, donc vous êtes de retour à Tasing et votre tour signifie deuxième crime. C'est magnifique, ce gars est un chat noir, c'est pas possible autrement. Bref, comme dans les vidéos précédentes, on va s'arrêter là pour pouvoir faire la suite, l'enquête dans une prochaine vidéo. Et donc vous verrez, on va essayer d'avoir la piste la plus... la plus propre, la plus pure possible. Encore une fois, évidemment, avec les caractéristiques qu'on a, on ne va pas pouvoir tout faire par rapport à nos compétences. On ne va pas pouvoir non plus avoir tous les succès en lien parce que voilà, tout dépend de nos compétences, encore une fois, choisies au préalable. Mais bon, on va vraiment essayer d'avoir une trajectoire assez droite. En tout cas, moi, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a bien aidé. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitch, sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de Andreas et de Kaspar, son apprenti. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.